Alors nous avons le plaisir de recevoir à présent Jérôme Bastianelli afin de prendre connaissance des spécificités de la gouvernance d'un établissement public administratif récemment créé. Alors polytechnicien de formation, il appartient au corps des ingénieurs des ponts et chaussées. Après avoir choisi l'École nationale de l'aviation civile comme école d'application, Jérôme Bastianelli se voit confier un poste au ministère des Transports de 1996 à 2006 en qualité de chef du département technique du bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. De 2006 à 2009, il est rapporteur à la 7e chambre de la Cour des comptes et dirige également l'audit externe de l'UNESCO. Depuis août 2009, il est directeur général délégué adjoint au musée du Quai Branly, où il devient en 2015 directeur général délégué. Jérôme Bastianelli est également l'auteur de 8 ouvrages sur la musique classique et est président de la Société des Amis de Marcel Proust. Monsieur Bastianelli, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, si le micro fonctionne. Merci pour votre invitation. Je suis très honoré d'être dans ce si beau lieu que je ne connaissais pas, que je découvre avec émerveillement et que j'espère avoir l'occasion de mieux connaître. Là, je devrais partir malheureusement après mon intervention, mais j'espère avoir l'occasion de revenir parce que c'est vraiment très, très beau. Il y a des ouvrages que j'aimerais beaucoup lire, même si je n'ai pas encore vu d'ouvrage sur Proust ni sur Ruskin, mais je suis sûr qu'il y a peut-être quelque chose sur Ruskin, au moins. Donc merci pour votre invitation et effectivement vous m'avez proposé de parler de la gouvernance d'un établissement public administratif récemment créé, le musée du Quai Branly. Et le titre cependant donne peut-être un lieu à une mauvaise compréhension de mon propos puisque par définition, enfin c'est ce que je vais essayer peut-être de vous dire dans mon propos, un établissement public est spécifique, sinon il n'y a pas besoin de faire des établissements publics s'ils se ressemblent tous. Et donc les spécificités dont je vais vous parler ne tiennent pas tant que ça au fait qu'il est récemment créé, encore que pour certaines d'entre elles, elles tiennent au fait que le musée est récent, mais c'est les spécificités du musée du Quai Branly. Il se trouve que le musée du Quai Branly est récemment créé, donc il y a une sorte de raccourci qui est lié à la longueur du titre, qui était déjà suffisamment long, mais sur lequel je voulais... En guise d'introduction, attirer votre attention. Alors, avant de venir au fond du sujet, peut-être une présentation très générale avec quelques chiffres que j'espère pas trop ennuyeux sur le musée du Quai Branly. Le musée du Quai Branly qui a ouvert ses portes en 2006, un budget de l'ordre de 54 millions d'euros qui est constitué à peu près par deux subventions de part égale, j'y reviendrai, du ministère de la Culture d'une part et du ministère de l'Enseignement supérieur d'autre part, à hauteur de 21 millions de part et d'autre, donc ça fait 42 millions d'euros en tout. Et à ces 42 millions s'ajoutent 12 millions d'euros de ressources propres, qui sont bien sûr la billetterie pour environ 4 millions d'euros, le mécénat, un peu plus de 2 millions, les tournées d'exposition qui sont... un poste croissant en ce moment grâce au succès notamment d'une exposition qu'on a fait sur Picasso primitif qui marche très bien et de tatouage aussi qui est très demandé aux États-Unis. Les concessions, c'est-à-dire la librairie, le parking qui marche pas bien, le parking, mais tant pis, enfin, ils ont une redevance fixe très, très haute, donc qui marche ou qui marche pas, à la limite, ça nous regarde pas complètement. Et le restaurant, donc ça nous rapporte bon an mal an un peu plus de, enfin presque 2 millions d'euros. Bien sûr, et vous en avez sûrement entendu parler peut-être aujourd'hui, en tout cas vous savez que ça existe, les redevances pour prêt d'œuvre au Louvre Abu Dhabi. Je vois un ouvrage sur le Louvre Abu Dhabi, il faut savoir que nous ça nous rapporte plus de 2 millions d'euros aujourd'hui, c'est en phase décroissante mais c'est quand même une part importante de notre budget. Et pour finir sur ces ressources propres, les catalogues, l'exploitation commerciale des photos que nous conservons au musée. Donc voilà pour le budget. La fréquentation, c'est un musée qui a connu une fréquentation entre 1,15 million d'euros de visiteurs, pardon, et 1,5 million les meilleures années. Là, on est plutôt en basse eau, enfin l'année 2016, comme la plupart des musées parisiens. D'ailleurs, a été la plus mauvaise année de l'histoire du musée, avec 1 150 000 visiteurs. Là, on a repris quelques couleurs, mais là, on reprend beaucoup plus lentement qu'on a perdu, puisqu'on arrive à 1 170 000 visiteurs. On a bon espoir
en 2018, on reprenne à nouveau, et cette fois-ci d'un plus large élan, d'autres couleurs en termes de fréquentation. Mais vous voyez qu'on est entre, donc entre un peu moins d'un 2 et un peu plus, et environ 1,5 million d'euros, de visiteurs, j'y tiens, excusez-moi. Et ce chiffre est à mettre en parallèle un peu avec nos surfaces, parce qu'on n'a pas des surfaces énormes d'exposition quand on additionne tous les mètres carrés de parcours permanent et des expositions temporaires, on arrive à peu près à 8000 mètres carrés d'exposition. Et on avait fait des calculs savants qui montraient que si on était des fréquentations identiques à celles des dimanches de gratuité, où on est à 7-8 000 visiteurs ces jours-là, on ne pouvait pas de toute façon dépasser ce qui est d'ailleurs, enfin, imaginer que tous les jours soient des dimanches gratuités, c'est évidemment une hypothèse d'école, ça n'arriverait pas, mais enfin, ça nous donne une idée de notre borne maximale qui était aux alentours de 2 millions de visiteurs, 2 200 000. Donc vous voyez, quand on est à 1 500 000, on n'est pas non plus tant que ça éloigné de notre maximum, de notre mur du son, si je puis dire, en référence à ma première carrière, en termes de fréquentation. Les effectifs, il y a environ 250 personnes au musée du Quai Branly. J'y reviendrai parce qu'il y a aussi des problèmes de périmètre, puisqu'on a beaucoup externalisé, un grand nombre de prestations externalisées. Et on considère que on travaille en fait au musée du Quai Branly chaque jour en plutôt de l'ordre de 400 personnes. Hein, donc 250 personnes du musée et 150 personnes au titre des entreprises qui interviennent sur le site. On conserve 300 000 œuvres dans les réserves qui sont sur place pour la grande majorité d'entre elles. Et on expose en permanence 3700 de ces 300 000 œuvres, avec des rotations, bien sûr, enfin je ne vais pas développer le propos, vous le connaissez aussi bien que moi, des rotations fréquentes liées pour l'essentiel à des questions de conservation. Voilà quelques chiffres, et sans plus attendre, je vais venir aux spécificités du musée. Alors, la première des spécificités, c'est que nous sommes sous une double tutelle, c'est une spécificité de notre décret de 2006, double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur. Je vous rappelais que cette double tutelle se traduisait au centime près dans le versement des subventions, ce qui est plutôt une bonne chose quand il y a un des deux ministères, qui c'est souvent le cas, qui paye très tôt dans l'année. Du coup, le deuxième se sent obligé de ne pas revoir à la baisse la subvention qu'il nous avait promise, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais ça peut être à l'inverse, c'est un petit peu un jeu de blackjack, si je puis dire. Enfin, si chaque ministère se met à payer un peu tardivement, on peut suspecter que s'il y en a un qui va de revoir pour une raison X ou Y le montant de la subvention en cours de gestion, l'autre sera ravi de s'aligner dessus. Cette double tutelle, en fait, même si dans l'esprit, plutôt dans la lettre, elle est tout à fait symétrique, on s'aperçoit que dans la réalité des faits, il y a des rôles assez différents entre nos interlocuteurs du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur. Le ministère de la Culture s'occupe de la vie générale du musée, des relations avec nous, comme j'imagine, avec tous les autres musées qui sont sous simple tutelle. Et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour lequel nous sommes peut-être un plus petit établissement comparé au nombre d'universités qui sont dans son portefeuille, s'occupe principalement de notre politique scientifique, et de valider ou d'orienter notre politique scientifique et de suivre en général, à de rares exceptions près, les préconisations du ministère de la Culture pour la vie quotidienne de l'établissement. Donc c'est une première spécificité qui se traduit dans notre organigramme par un organigramme qui est lui aussi défini par le décret, qui se traduit par l'existence de deux départements, sous le président du musée, directeur général et directeur général adjoint. Vous avez un certain nombre de directions comme dans tous les établissements, direction du développement culturel qui s'occupe du théâtre et des expositions, direction du public qui s'occupe de la démocratisation et du développement du public payant, etc., etc. Et vous avez donc deux départements. Le mot « pourquoi c'est des départements et pas des directions ?» ça symbolise le fait que les
les directeurs de ces deux départements sont les seuls, avec le président bien sûr qui lui est nommé en décret en Conseil des ministres, par décret en Conseil des ministres, mais les deux directeurs de département sont les seuls à être nommés par un arrêté conjoint de nos ministres de tutelle. Et donc pour symboliser, si vous voulez, cette particularité dans leur nomination, on les a placés sur des titres de directeurs de département. Moi-même, je suis nommé par le président, simplement par le président, par une décision du président, et tous les directeurs, autres que les deux directeurs de département dont je vous parlais, sont nommés par le président également. Et des petites bizarreries qui peuvent subsister à la lecture de notre décret font que, en fait, on s'est interrogé avant l'ouverture du musée sur le point de savoir si le département de la recherche devrait accueillir un laboratoire, devrait impulser comment se traduirait concrètement la recherche au musée du Quai Branly. Et en fait, il avait été pris la décision, mais on lit dans le décret que le musée pourrait accueillir des laboratoires de recherche ou des projets particuliers pluriannuels, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'on a finalement décidé qu'il n'y avait pas lieu de créer un laboratoire ni une UMR afin de ne pas figer dans le grand éventail des sujets de recherche possibles pour ceux qui s'intéressent aux œuvres extra-occidentales, de ne pas figer une direction particulière et de pouvoir laisser la possibilité au musée d'accueillir des thématiques très larges, ce qui est, je crois, le cas. Et du coup, comment se décline la politique scientifique du musée du Quai Branly? Elle se décline essentiellement par l'accueil de boursiers, doctorants et post-doctorants sur des projets de recherche qu'on essaye d'ailleurs. Au début, on était sur des champs vraiment très très vastes, et d'ailleurs parfois, ce qui nous a amené à accueillir des boursiers qui étaient tout à fait compétents, et c'était des gens fort sympathiques par ailleurs, mais sur des thématiques qui pouvaient paraître à première vue, et peut-être même à deuxième, assez éloignées de nos collections. Par exemple, on a quelqu'un, c'est un exemple parmi d'autres, et je ne veux pas stigmatiser cette personne qui, je crois, fait par ailleurs un bon travail, mais sur le thème transgenre au Moyen-Âge, dont on peut s'interroger sur la nécessité pour quelqu'un qui travaille sur cette thématique d'être accueilli au-dessus de réserves de 300 000 œuvres d'art extra-occidental. Donc on essaye, c'est un des projets que nous avons actuellement, enfin qui, depuis plusieurs années, d'essayer de ramener, mais ce n'est pas forcément très simple, parce qu'on n'a pas, quand vous accueillez un thésard ou un post-doctorant, vous n'avez pas la main sur les études qu'il a fait auparavant, donc vous n'avez pas, on ne prétend pas orienter toute la recherche en anthropologie, ethnologie et histoire de l'art sur les civilisations non occidentales, mais enfin, on essaye de faire des appels à un projet qui soit plus en lien avec nos collections, afin que les jeunes chercheurs que nous accueillons puissent vraiment bénéficier, tirer le meilleur profit du fait d'être accueillis dans notre sein. Voilà pour une première spécificité du musée, cette double tutelle. La deuxième spécificité que je voulais évoquer avec vous, c'est une spécificité historique, qui est que le musée s'est construit lui-même. C'est-à-dire que l'établissement public du musée du Quai Branly a été créé en 1998, on va fêter son 20e anniversaire donc, cette année, alors que le musée, comme vous le savez, a ouvert en 2006. Donc il y a eu un musée, le musée s'est créé par la signature d'un décret, un peu ex nihilo, avec à l'époque assez peu de personnes qui s'occupaient du musée, puis qui étaient censées ensuite, enfin qui plus que censées, qui l'ont fait, qui ont conçu le projet architectural, le projet muséologique, etc., etc. Des équipes qui ont grossi, qui ont déménagé en divers lieux de Paris entre 1998 et 2006. Et sans vous donner l'impression que ce que je vais dire est une critique de l'OPIC ou de l'établissement public constructeur du ministère de la Culture, il se trouve dans le cas particulier du musée du Quai Branly, une fois de plus, je ne veux pas généraliser mon propos, que le fait d'avoir été son propre constructeur a permis d'éviter ce qui peut se produire dans d'autres cas, des querelles entre le constructeur et le mainteneur, enfin l'exploitant, l'exploitant disant « c'est pas du tout ça que je voulais, ça ne marche pas votre truc, et vous avez mal conçu ». Là au moins, on était, si vous voulez, il y avait une espèce de continuité dans l'exploitation, ayant pris le relais direct
de la construction. C'était d'ailleurs souvent les mêmes personnes. Les gens qui ont construit sont ensuite partis construire d'autres établissements publics culturels. Je pense par exemple à Patrice Januel qui a ensuite construit la Philharmonie de Paris. Mais enfin, ils ne sont pas partis tout de suite et ils ont assuré cette forme de continuité qui a permis d'éviter, je vous dis, les difficultés qui peuvent, je ne sais pas du tout, je ne veux pas faire une généralité, mais qui, on sait qu'il existe des exemples où il y a des problèmes de mise en route des nouveaux bâtiments. Donc ça a été une spécificité historique qui, une fois de plus, et je suis prudent sur mon propos, dans le cas particulier du musée du Quai Branly, lui a été bénéfique. Le chantier s'est d'ailleurs bien passé. Il n'y a pas eu de querelle avec notre maître d'œuvre, ce qui aussi peut arriver dans d'autres contextes. Et on n'a pas eu à déplorer de catastrophe. Dieu merci, il n'y a pas eu d'accident de chantier. On a eu très 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 peu de contentieux, avec un seul contentieux qui perdure, qui concerne, pour ceux qui connaissent le bâtiment, les bassins en terrasse. Parce que Jean Nouvel a voulu que la terrasse du musée, qui est donc accessible en été ou accessible pour les clients du restaurant, soit entourée de bassins. En fait, ces bassins, si vous ne traitez pas l'eau à cause du soleil, vous allez avoir prolifération d'algues. Donc on traite l'eau et donc un jour, il y a eu des fuites dans des tuyaux. Ceux qui étaient censés traiter l'eau ont dit mais c'est parce que les tuyaux n'étaient pas de bonne qualité et du coup, à cause du chlore que j'ai mis, ça a fait un trou dans le tuyau. Et ceux qui ont mis les tuyaux ont dit mais mes tuyaux sont tout à fait conformes à ce qu'il fallait que je pose. Mais en revanche, c'est vos idiots d'exploitants qui ont mis beaucoup trop de chlore dans l'eau. Et du coup, évidemment, avec un tel niveau de chlore, il ne pouvait pas se passer d'autre chose que de l'apparition de trous. Donc, n'étant pas expert en traitement des eaux, on a fait appel à la justice et ça fait 5 ans que l'expertise doit dénouer les responsabilités entre les poseurs de tuyaux et les exploitants de chlore. Je ferme la parenthèse voilà, juste sur ce point de la spécificité liée à la construction du bâtiment. La troisième spécificité que je voulais souligner devant vous tient précisément, j'en disais un mot tout à l'heure, à l'existence historique de ce gros contrat qu'on appelle dans notre jargon contrat multiservice, contrat d'externalisation pardon, de la plupart, pour ne pas dire de toutes, les fonctions dites support. Donc ça, c'était une décision qui a été prise avant l'ouverture du musée. Elle n'est pas aussi révolutionnaire que je l'entends parfois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'établissements qui sous-traitent, enfin qui font appel à des entreprises privées pour la maintenance, pour le nettoyage, pour l'entretien du jardin, pour... En cela, on n'est pas tant que ça novateur. Là où on l'est, c'est effectivement dans le périmètre, parce qu'à chaque fois, ou presque, que ça, c'était possible, la décision était prise de faire appel aux entreprises privées, à deux exceptions près. D'une part, les agents de billetterie, qui restent des agents de l'établissement, et d'autre part, les agents de magasinage de la médiathèque, qu'on aurait pu imaginer, que, de même que l'accueil était sous-traité, on aurait pu imaginer de faire appel à une entreprise privée. On ne l'a pas fait à cette époque-là. En ce qui concerne les agents de billetterie, la réglementation a un tout petit peu évolué depuis 2006 et rend plus facile, encadre de manière plus précise, c'est comme ça qu'il faut mieux le dire, le recours à des entreprises privées pour manier des fonds publics dans l'établissement. À l'époque, c'était un petit peu dérogatoire quand même par rapport aux règles de la comptabilité publique. Donc c'est pour cela que ça n'avait pas été retenu. Et donc, c'est dans cet éventail, dans la largeur de cet éventail que le musée est assez spécifique, et aussi dans le fait que c'est un contrat unique. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, ce qu'on achète essentiellement, si je puis dire, si on peut en parler un peu directement, dans le cas du contrat multiservice, c'est d'abord, avant tout, le pilotage entre ces différentes prestations. C'est-à-dire que le premier lot, c'est un marché qui, avec un certain nombre de lots, il est justement pas alloti, c'est bien une seule entreprise, mais au sein de la rédaction du marché, il y a un certain nombre de prestations qui sont définies. Et la première de ces prestations, c'est la prestation de pilotage des différentes prestations, puisque on sait
qu'il y a un certain, enfin, qu'il y a des interactions très fortes entre les différentes prestations. Vous ne pouvez pas, même un jour de fermeture où vous prévoyez d'accueillir une personnalité, vous ne pouvez pas en profiter pour cirer le sol de telle partie du musée. Vous pouvez pas, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles de faire si on ne prévoit pas, s'il n'y a pas un gros travail de planification qui, au préalable, qui va vous permettre d'identifier les impossibilités dans l'exploitation du musée. Et ce lot de pilotage, enfin cette prestation de pilotage plutôt, représente entre 5 et 6 personnes quand même pour le prestataire auquel nous faisons appel. Ce qui veut dire que si on devait réinternaliser cette, enfin pas réinternaliser parce qu'elle ne l'a jamais été, mais internaliser cette prestation, il faudrait que le plafond d'emploi de l'établissement augmente d'autant. Ensuite, on pourrait éventuellement passer des marchés lot par lot, un lot de nettoyage, un lot de maintenance, un lot de jardin, un lot d'informatique. Mais j'insiste sur ce point, c'est d'abord le pilotage qui est important. Alors sur ce CMS, on entend un peu parfois tout et n'importe quoi. On dit oui, les gens seront sous-payés, l'État fait des économies, etc. Alors bon, c'est difficile pour nous, comme on n'a jamais connu que ce modèle, de le comparer à un modèle où les emplois auraient été tenus par des agents du musée. Donc c'est, forcément, j'ai un point de vue un peu théorique et je ne peux pas en avoir d'autres. Néanmoins, les études économiques qu'on fait montrent que ce n'est pas tant que ça une très bonne affaire économique pour l'établissement. D'une part parce que ce sont des marchés pluriannuels, 4 ans, qui sont soumis à des indices de révision des prix tous les ans, et alors qu'on vous demande, et c'est tout à fait naturel, de faire des efforts dans le fonctionnement, dans le budget de fonctionnement de l'établissement, vous savez que vous avez un poste important, qui est le poste du CMS, qui lui va pas baisser, il va même avoir tendance à augmenter, ne serait-ce que par application de la clause de révision des prix annuelle. Donc vous savez que c'est une part de votre budget, qui représente environ un quart du budget de l'établissement, qui elle va grossir au cours des 3-4 ans. Première chose. Alors deuxième chose qui est un tout petit peu plus technique, toujours sur un volet économique, c'est même si ça tend à disparaître aujourd'hui à cause des taux de gel qui diminuent fortement, à une époque, étant donné que le contrat multiservice, ça représente 70 ou 75% de ce que l'on paye, hein, donc ce budget total qui représente 12 à 13 millions d'euros par an, c'est de la masse salariale. Donc si c'était des agents d'établissement, le taux de gel, vous savez peut-être que le taux de gel, parce que l'État, quand il vous donne une subvention, à peine a-t-il donné la subvention qui s'empresse de vous dire, il y a une petite partie que je garde dans ma poche et on verra si tu en as vraiment besoin. Donc c'est ce qu'on appelle le taux de gel. Et le taux de gel sur les dépenses de fonctionnement était jusqu'à une période très récente plus important, beaucoup plus important, de l'ordre de 5-6%, que le taux de gel sur les dépenses de personnel, qui était de 0,5%. Ce qui veut dire que si ce budget, les 75% de ces 12 millions d'euros annuels avaient servi à financer des agents de l'établissement, on aurait eu un taux de gel beaucoup plus faible. Et donc on aurait eu plus d'argent in fine sur nos comptes. Donc en fait, économiquement parlant, ce n'est pas forcément la panacée, en tout cas ce n'est pas la raison pour laquelle ça perdure. La raison pour laquelle ça perdure, c'est que dans le cas particulier, une fois de plus, je veux être prudent, du musée du Quai Branly, c'est que ça a montré son efficacité. C'est que ça répond, c'est une solution qui répond aux contraintes d'un musée de cette taille, de 250 personnes, avec un site qui n'est pas gigantesque, qui n'est pas non plus tout petit, mais qui n'est pas gigantesque. Une création, je pense que c'est aussi important, une des clés de la réussite de ce modèle, c'est que ça a pu être fait dès l'origine et qu'il n'y a pas eu les problèmes sociaux qui peuvent apparaître lorsqu'on change justement de modèle. Ça a été, je crois, une des raisons du succès. Et c'est aussi, enfin je vais le dire très modestement, mais il faut quand même le dire, c'est aussi parce que l'administration du musée, au sens large, suit ça de manière très précise. Il ne s'agit pas de remettre les clés à une entreprise privée en lui disant « Pouf, c'est vous l'exploitant, vous débrouillez ». Dans ce cas-là, ça ne marcherait pas. Il ne s'agit pas non plus d'avoir le paraffeur à pénalité toujours sous la main, et dès qu'ils ouvrent avec une minute de retard ou dès qu'il y a un degré d'écart dans une réserve, leur dire « Pouf, voilà, c'est pas dans le contrat 3000 euros de pénalité ». Ça ne marcherait pas non plus. On ferait peut-être des économies, mais ce n'est pas ça qui nous permettrait d'ouvrir à l'heure ni d'avoir un taux d'hydrométrie absolument parfait dans les réserves. Et il faut établir un partenariat constructif avec l'exploitant et ça
savoir que dans un contrat de 600 pages, il peut arriver que toutes les clauses ne soient pas respectées au moment même où on le souhaite, et voir qu'est-ce qui est grave, quels sont les points sur lesquels on peut absolument pas discuter, quels sont les points sur lesquels on peut essayer de chercher avec eux des solutions pour leur rendre la vie facile. Donc c'est aussi un investissement pour l'actuelle directrice générale adjointe qui m'a remplacé dans mes précédentes fonctions, et pour ça a été une de mes principaux, et André le sait bien, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est une des principales missions du directeur général adjoint de piloter ce gros contrat. La quatrième spécificité que je voulais évoquer devant vous, elle tient aussi au personnel, elle tient au statut dérogatoire de l'établissement. Alors c'est peut-être un sujet, j'entendais que Anne Solène en parlait un peu de manière, avec cet exemple particulier de l'aquarium, l'histoire de statut, fonction publique, contractuelle, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour le musée du Quai Branly ? Le musée du Quai Branly, avant son ouverture, avait été placé en totalité dans le statut dérogatoire. C'est-à-dire qu'il pouvait recruter indifféremment des contractuels ou des agents fonctionnaires pour toutes, je dis bien toutes, pour tous ces postes. Et à ce moment-là, il y a quand même un certain nombre de fonctionnaires, plusieurs dizaines de fonctionnaires qui ont été recrutés par détachement. Il y a eu une première révision de ce qu'on appelle le décret liste, c'est-à-dire la liste des postes sur lesquels vous êtes autorisé à recruter des contractuels, en 2008, qui a légèrement revu à la baisse donc, le périmètre, qui a imposé au musée, pour les postes administratifs, de recruter des fonctionnaires. Du coup, tous les postes en question n'ont pas été pourvus par des fonctionnaires. Mais en revanche, parce que vous connaissez, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais vous savez que dans ce cas-là, lorsqu'on ne peut pas recruter de fonctionnaires parce qu'on n'en trouve pas, on ne peut plus proposer de CDI à la personne qu'on va recruter, on recrute un contractuel pour des durées de 1 an à 3 ans, suivant la catégorie d'emploi, renouvelable ou non d'ailleurs, mais renouvelable dans les catégories A, qui se transforme ensuite en CDI, mais qui a une petite fragilité dans le contrat que l'on propose dans ce cas-là. Et entre 2012, je crois, et 2017, ont eu lieu des travaux de renégociation, en fait, de ce décret liste, qui ont conduit au printemps dernier à une diminution, là pour le coup, plus importante de la dérogation pour inclure dans le champ non dérogatoire la plupart des métiers de la médiathèque notamment et de la recherche. Donc on est passé en gros, si vous voulez, on était à 190 postes dérogatoires et 60 non dérogatoires avant cette réforme, et on est passé aujourd'hui à quelque chose plutôt comme 110 dérogatoires et 140 non dérogatoires. C'est assez... c'est vraiment une réforme importante, ce qui modifie d'ailleurs sensiblement la manière de gérer l'établissement, même si pour l'instant la principale conséquence que cela a, c'est que quand on ne trouve pas de fonctionnaire, une fois de plus j'insiste sur le fait, parce que parfois on nous dit au musée du Quai Branly n'aime pas le fonctionnaire, c'est pas vrai, je suis fonctionnaire moi-même, il y a beaucoup de fonctionnaires qui travaillent au musée du Quai Branly, et quand on trouve des fonctionnaires, on est vraiment ravis d'accueillir des fonctionnaires, c'est pas une question dogmatique. Il se trouve, et je suis pas le seul à le dire, on n'est pas le seul musée à défendre ce point de vue, qu'on ne trouve pas forcément des fonctionnaires facilement pour des prestations, même des prestations assez classiquement dévolues à des fonctionnaires. Il ne s'agit pas de... Évidemment, quand on cherche un ethnomusicologue, on n'en trouve pas forcément tout de suite. D'ailleurs, il y a toujours un poste ouvert. Si vous connaissez un ethnomusicologue, n'hésitez pas à lui dire de se manifester. Mais même quand vous cherchez quelqu'un dans le domaine de la comptabilité, du budget, évidemment, les postes sont offerts aux fonctionnaires et vous n'en trouvez pas forcément, pour tout un tas de raisons que je ne peux pas forcément expliquer. Mais enfin, en tous les cas, le fait est que c'est une réalité en termes de gestion. Et le fait de pouvoir recourir dans ces cas-là à des contractuels offrait quand même une souplesse, à la fois une souplesse pour l'établissement et une sécurité pour les personnes concernées, puisqu'on leur offrait dans ces cas-là directement un CDI, ce qui n'est plus le cas. Je regarde l'heure pour ne pas être trop bavard, non, c'est bon, j'ai encore un petit peu de temps. Je voulais aussi évoquer une autre...
une autre spécificité qui est liée à notre subvention qui nous a valu pardon, un certain nombre de discussions avec le ministère des Finances il y a 3 ans maintenant. Parce que l'anomalie du musée du Quai Branly, enfin en tout cas la particularité, je ne sais pas si c'est une anomalie, anomalie serait peut-être un peu trop négatif, et moi je considère que c'est plutôt une bonne chose, donc je n'ai pas raison d'être négatif, c'est la particularité, c'est que nous n'avons pas de subvention d'investissement, nous avons juste une subvention pour charge de service public. Enfin, si je mets de côté une petite subvention pour acquisition d'œuvres d'art qui, par définition, ne sert pas à l'entretien, au renouvellement du bâtiment, ni à d'autres acquisitions que celles liées à l'enrichissement de nos collections. Alors, comment ça s'était passé? Ça, c'est aussi une conséquence historique. Il se trouve que pendant la construction du musée, les subventions qui ont été versées à l'époque étaient légèrement supérieures aux besoins, ce qui a permis de créer ce qu'on appelle un fonds de roulement, à hauteur d'un peu plus de 20 millions d'euros aujourd'hui. Et il était entendu que pendant, on savait bien que le modèle ne pourrait pas durer éternellement, mais enfin, pendant une dizaine d'années, voire plus, en fonction des besoins réels, le musée serait autorisé à puiser, à compléter sa capacité d'autofinancement en puisant dans ce fonds de roulement qui avait été créé. Et donc, en contrepartie de cette autorisation, qui était d'ailleurs formalisée chaque année par un vote du conseil d'administration, et ça, c'était pas un chèque en blanc, on disait pas, on n'avait pas dit au musée, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez, c'était évidemment validé tous les ans lors de la présentation du BI. En contrepartie de cette facilité, il n'y avait pas de subvention d'investissement. Il n'y a toujours pas d'ailleurs de subvention d'investissement. On finançait nos investissements à la fois par l'apparition d'une capacité d'autofinancement et par un prélèvement sur fonds de roulement entre 1 et 2 millions d'euros par an. Et ça s'est arrêté, enfin en tout cas c'est en voie de s'arrêter parce que le ministère des Finances a considéré en 2015 que c'était beaucoup trop dérogatoire par rapport au modèle. Et donc nous a demandé d'y mettre fin, de proposer un plan pluriannuel. Sauf que moi, je veux bien absolument entendre que ce soit dérogatoire et qu'il faille y mettre un terme, à condition, dans ce cas-là, qu'on nous propose une subvention d'investissement. Si on doit rentrer dans le modèle commun, rentrons-y jusqu'au bout. Et pour l'instant, on est tombé d'accord, si vous voulez, sur la première partie de cette transformation, qui est de dire qu'on ne doit plus à terme, et maintenant à très court terme, puiser dans notre fonds de roulement pour financer nos investissements. Néanmoins, il va falloir qu'on traite de manière maintenant assez urgente la deuxième question liée à cette problématique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez voulu qu'on reste qu'on rentre dans le domaine, dans le secteur classique, enfin, qu'on finance nos investissements de manière classique. Très bien, mais alors parlons de la subvention d'investissement qui viendra nous permettre de faire face à nos besoins, besoins qui ne sont pas d'ailleurs monstrueux. Hein. Le musée a été bien construit, il n'y a pas de problème d'investissement majeur, mais enfin on sait qu'un jour on aura par exemple à changer certaines de nos centrales d'air, ça c'est arrivé à d'autres de nos collègues, ça coûte de l'argent, et puis si on veut justement éviter d'avoir de très gros investissements à faire de manière soudaine, il faut faire des petits investissements, enfin tout ça c'est des banalités que je rappelle, mais qui sont importantes à quand même avoir à l'esprit. Donc c'est une spécificité, une bizarrerie comptable, si vous voulez, qui, de mon point de vue, fonctionnait bien, qui en plus évitait, parce que la subvention d'investissement, il faut évidemment la négocier, c'est tout à fait normal, il y a une plus grande inertie. Imaginons que, là, je touche du bois, mais imaginons qu'il y a un bout de la sous-face du musée qui s'écroule au moment où je vous parle, le musée n'aura pas besoin de renégocier, enfin, n'aurait pas eu besoin, dans le modèle antérieur, de renégocier une subvention particulière, une exceptionnelle. Il suffisait qu'il convoque un conseil d'administration l'autorisant à prélever un peu plus dans son fonds de roulement pour mettre en place tout de suite les travaux, alors que dans le modèle classique, je ne dis pas que l'État n'est pas capable d'aller vite, il peut parfois le faire, mais enfin, il y a une certaine lourdeur de mise en œuvre. Et l'expérience avait montré que dans le cas, une fois de plus, du musée, ça avait été assez, assez efficace. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve sur ce volet. Et avant que j'en arrive à ma conclusion, une petite anecdote sur le fait que c'est parfois difficile d'être spécifique, qui tient à notre
à notre géographie. Vous savez que dans le musée du Quai Branly, il n'y a pas de salle, il n'y a pas la salle des arts Amérique du Sud, qui ensuite nous avons passé dans la salle des gardes, puis la salle de la peinture du XVIIIe siècle. C'est un énorme espace sans frontières, dans lequel l'architecte a d'ailleurs voulu qu'on se perde, et parfois d'ailleurs il atteint son but pour certains de nos visiteurs. Il n'y a pas de séparation et pourtant, dans les objectifs du rapport annuel de performance du programme musée, il y a un indicateur qui s'appelle taux d'ouverture des salles. Et donc cet indicateur de taux d'ouverture de salles, il doit se décliner dans notre contrat d'objectif, puisqu'il faut qu'on puisse ensuite que le ministère de tutelle puisse faire des moyennes sur le taux d'ouverture des salles de tous les musées. Donc nous remplissons régulièrement 100%. Nous avons voilà, un objectif facilement atteint de notre contrat d'objectif. On peut passer plus rapidement au suivant. Mais c'était juste pour vous donner un exemple parmi quelques autres des petites bizarreries que peut causer la volonté d'uniformiser d'un point de vue de gestion des établissements qui sont évidemment différents les uns des autres. Et je voudrais terminer mon propos avec en parlant de la programmation du musée, et j'en parle là pour le coup très librement parce que j'y suis vraiment très 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 peu, je suis pas très peu en lien, ça rentre assez peu dans ma fiche de poste, si je puis dire. C'est essentiellement le domaine du président, et c'est justement le point sur lequel je voulais attirer votre attention. Il se trouve que, de par la rédaction du décret, même si nous avons évidemment un conseil d'administration ainsi qu'un conseil d'orientation scientifique, la programmation du musée du Quai Branly repose presque exclusivement, j'allais dire, après validation de ces deux instances, sur les épaules du président de l'établissement, qui doit définir. Alors qu'est-ce que c'est la politique culturelle? C'est évidemment essentiellement la politique d'exposition, mais pas uniquement. C'est ce qui donne, si vous voulez, la personnalité des établissements, et ce qui me paraît important de préserver, évidemment en mettant les garde-barrières nécessaires, mais ce qui me paraît important, en tous les cas, qui va de pair, à mon avis, avec la notion d'établissement public, de même que la personnalité du directeur de l'opéra aura tendance à privilégier tel ou tel type de mise en scène. On sait bien, pour ceux qui aiment l'opéra, que la présidence Mortier n'a pas été la même que la présidence Joël, qui n'est pas elle-même la même que la présidence Nissner. Eh bien, on peut imaginer que dans des musées, au-delà, bien sûr, de la conservation, enfin des missions régaliennes de conservation des œuvres et de présentation des œuvres de leur collection permanente, la politique d'exposition soit aussi le reflet d'une personnalité qui s'exprime. Et puis si on est content, ben, tant mieux, et si on n'est pas content, on le change, mais enfin en tout cas lui donner les moyens d'exprimer cette politique. Alors la politique en l'occurrence qui a été suivie par Stéphane Martin reposait sur une volonté d'ouvrir au maximum l'éventail des sujets. Alors ouvrir, ça voulait dire quoi? À la fois des sujets un peu grand public, je pense à Tarzan, je pense à Tatouage, ou des sujets un peu plus pour spécialistes, on va dire. Je pense, l'exemple que j'ai souvent en tête, c'est une très belle exposition qu'on a faite sur les lapita et sur le fait que les céramiques, en essayant d'examiner, de dater les différentes céramiques qu'on a retrouvées en Océanie, en quoi cette datation illustrait les mouvements de migration d'une île à l'autre il y a plusieurs siècles. Donc c'est une exposition qui, évidemment, parle à un public un peu différent de Tarzan. Donc encore qu'on peut aimer à la fois Tarzan et les lapita, hein, c'est pas ce que je veux dire, je suis pas exclusif. Donc une volonté d'élargir à tout point de vue, enfin le spectre des sujets traités et la nature de ces sujets, et puis aussi une volonté de faire appel à la fois à des conservateurs de la maison pour environ une moitié des expositions qui sont produites et des conservateurs extérieurs qui parfois d'ailleurs arrivent avec des propos qui ne sont pas forcément soutenus par les conservateurs de la maison. On peut penser à une exposition qui a été très militante, une très belle exposition d'ailleurs faite par les Maoris du musée Te Papa de Nouvelle-Zélande, qui était en gros, qui revenait à dire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être Maori dans la Nouvelle-Zélande contemporaine. C'était un point de vue tout à fait personnel qui était incarné. Et donc, voilà. Après, je ne suis pas en train de justifier la politique culturelle de Stéphane Martin, c'est pas du tout il n'a pas besoin de moi d'ailleurs pour le faire, mais pour vous dire que de la responsabilité qui pèse sur ses épaules, est née, je pense, cette personnalité du musée du Quai Branly. C'est important, à mon avis, de la préserver, et ça va de pair avec la notion d'établissement public. Alors, on entend parfois dire les EP ne travaillent pas assez ensemble, sont trop indépendants.
Oui, mais enfin, en même temps, c'est presque consubstantiel, si je puis dire, à leur nature. Déjà, les musées ne travaillent pas ensemble, c'est pas complètement vrai. Il y a énormément de prêts d'un musée à un autre. Il y a aussi parfois des coopérations, des expositions qui sont faites en commun, même si c'est pas très fréquent. Mais là, il y a un exemple en ce qui nous concerne avec le musée d'Orsay autour de la figure de Félix Fénéon, une exposition qui va avoir lieu l'année prochaine. Félix Fénéon, qui était à la fois collectionneur d'art contemporain de son époque, donc du début du XXe siècle, et d'art non occidental. Donc les musées collaborent entre eux, mais en plus ça reviendrait un peu à dire la même chose. Enfin, est-ce qu'on se demande si les éditeurs travaillent suffisamment entre eux? Ben non, les éditeurs ils choisissent des manuscrits, ils les éditent, ils essayent d'avoir une ligne éditoriale qui leur soit propre, qui les permette qui soient identifiés au sein justement de cette grande production littéraire. Ben, il me semble que les musées c'est aussi la même question. Après, si le Conseil d'administration, si les tutelles considèrent que la ligne éditoriale, si je puis dire choisie, ne correspond pas à ces attentes, libres à eux de nommer à la tête des établissements quelqu'un qui correspondrait mieux à leurs priorités, mais en tous les cas, en lui laissant les mains libres pour exprimer justement ce qu'il pense être bien pour la politique culturelle de l'établissement. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai. Ah ben oui, pile l'heure. Parfait. Timing Voilà. parfait, Monsieur Bastianelli. Merci beaucoup pour la présentation de cette double gouvernance en toute transparence. Alors, on peut peut-être ouvrir une période de questions, questions-réactions. On en est au quatrième contrat. Donc tous les 4 ans, il y a une petite part de ce contrat qui est une part à commande, c'est-à-dire qu'il y a un gros forfait, si vous voulez, et une part à commande où on va commander telle prestation spécifique ou 2 agents de sécurité en plus. Et comme c'est un contrat, j'en arrive à la réponse, comme c'est un contrat donc avec une part à commande, il est considéré au sens du Code des marchés comme un contrat à bon de commande, et les contrats à bon de commande ne peuvent pas dépasser 4 ans. Donc tous les 4 ans, on est obligé, même parfois tous les 3 ans, on a changé. Et il y a eu, entre le CMS 1, si je puis dire, et le 2, ça a été la même entreprise, avec des sous-traitants d'ailleurs un peu différents. Ils ont revu leur gamme de sous-traitants. En revanche, entre le 2 et le 3, donc c'était en 2012, on a évacué, si je puis dire, enfin, le perdant, enfin, le précédent est parti. Ce qui d'ailleurs, là aussi, c'est une question intéressante parce que. Ça pose des questions sociales lorsque vous changez de prestataire. Il y a certaines prestations, certains métiers qui sont couverts par des conventions collectives de reprise. Hein, je pense au nettoyage, notamment, et à la sûreté sécurité, où il y a des taux, ils doivent reprendre 80 ou 90%, voire 100%, je crois, dans le domaine du nettoyage, en fonction de l'ancienneté. Des gens qui comptent plus 6 mois d'ancienneté sur site doivent être repris, etc., etc. En revanche, il n'y a pas de convention collective de reprise pour les agents d'accueil, par exemple, qui sont une population tout à fait importante, hein, dans un musée. Et donc ça, c'est au musée, même si nous, on n'a officiellement aucun rôle à jouer, on ne peut pas, mais on ne peut pas ne pas avoir justement même un rôle un peu officieux, en tous les cas, d'essayer de faire en sorte que les négociations entre le sortant et l'entrant se passent bien, c'est-à-dire que la volonté de l'entrant, ça sera de reprendre les personnes les moins chères, et la volonté du sortant, ça sera de refiler à l'entrant les personnes les moins compétentes, et ben, faire en sorte que ça ne se passe pas exactement comme ça. Et que les personnes qui veulent rester au musée puissent le faire si elles le souhaitent. C'est des moments où je crois on a été. Il faut être sensible. Les passations, enfin les remplacements, les changements de CMS sont toujours des moments un peu, pas de tension, mais enfin, de préoccupation particulière, bien sûr pour les agents concernés, mais aussi pour l'administration, parce qu'on souhaite que ça se passe bien. Et il y a même, enfin, ça, en général, là aussi je touche du bois, ça s'est bien passé. On a une ancienneté chez les agents d'accueil qui est aussi assez, assez importante. Oui, Madame Krebs. Oui, j'avais une question pour suivre l'un des points que j'ai vaguement posé ce matin, qui me paraît important pour les pouvoirs. C'est vous envisagez, c'est la manière dont en fait vous voyez les choses de façon un peu prospective, à la fois en termes de gouvernance, de rapport aux tutelles et d'évolution des métiers ou des compétences dans les musées. Question compliquée. Oui, puis glissante. On peut arrêter les caméras. Écoutez, d'un point de vue un peu prospectif,
Nous, on est très curieux de voir ce qui va se passer autour du projet qui accompagne la rénovation du Grand Palais RMN. On entend parler justement, les musées ne collaborent pas assez entre eux. Nous, on est évidemment prêts à collaborer avec la RMN, enfin, avec le Grand Palais au premier chef, mais aussi avec d'autres établissements. On est évidemment ouvert à toute piste de collaboration. Je vous donnais d'ailleurs quelques exemples tout à fait récents. Après, comment ça va se décliner concrètement, je ne peux pas vraiment vous le dire. Prospectivement parlant, on entend aussi parler de ce projet de plutôt diminuer le nombre de fonctionnaires en mettant en place, enfin, c'est loin d'être fait, c'est juste l'expression d'une volonté qui a été mentionnée ces derniers temps, permettre aux fonctionnaires qui le souhaitaient de quitter la fonction publique avec une indemnité, qui va d'ailleurs un peu à contrario avec les lois Sauvadet, parce qu'on est un peu en train, je ne donne pas mon avis personnel, hein, mais je dis juste que d'un point de vue extérieur, on est un peu en train de vider la baignoire tout en la remplissant quand même. Parce que d'un côté, on crée des nouveaux fonctionnaires, et c'est très bien pour déprécariser, une fois de plus, je ne porte pas de jugement de valeur. Mais de l'autre, on va dire, bah, ouais, y a trop de fonctionnaires, on va diminuer les choses. Donc là aussi, ça va. Qu'est-ce que ça va avoir comme implication, comme dans notre quotidien, dans notre mode de gestion. Nous, comme j'ai essayé de vous le dire, on essaye de préserver au maximum, et pas pour des raisons dogmatiques, la souplesse de gestion que nous a autorisé le décret dérogatoire. Donc voyons comment ces réformes de la fonction publique peuvent avoir un enjeu là-dessus. Et puis, pour parler de manière peut-être plus personnelle du musée du Quai Branly, un des objectifs qu'on n'a pas encore atteint, même si on n'est pas resté les bras croisés, c'est de se faire connaître du public étranger. On a un taux de public étranger qui n'est pas bon, enfin qui n'est pas bon, qui n'est pas nul, hein, mais on ne dépasse pas les 20%, 18-19%. On se dit qu'on est assis sur un tas d'or, si je puis dire, que le Quai Branly et tout le flot de personnes qui vont vers la Tour Eiffel. Et c'est pas normal qu'on n'arrive pas à lancer nos filets sur ce flot et à ramener un peu plus de poissons. Enfin, excusez-moi, c'est pas très. Je ne veux pas comparer les touristes étrangers à des poissons, bien évidemment. Enfin, en tous les cas, on se dit qu'il y a un flux qu'on devrait pouvoir capter d'une manière plus forte. Alors on y travaille, c'est pas facile, évidemment, c'est plus facile de se faire connaître des habitants du 7e arrondissement, puis des habitants de Paris, puis des habitants de la région parisienne, puis des habitants de la France, et ensuite des habitants du monde, enfin de l'Europe et des autres continents, et on peut évidemment concevoir que quand vous passez à Paris un week-end ou 3 à 4 jours de vacances pour la première fois de votre vie, vous ayez d'abord envie d'aller voir la Tour Eiffel, le Louvre, le Château de Versailles, etc. Mais on se dit, et on essaye de jouer aussi sur cette carte, que l'architecture novatrice de Jean Nouvel, ses particularités, son jardin, on a un merveilleux jardin, on a vraiment un des plus beaux jardins de Paris. Enfin, je le dis, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui l'ai conçu, donc je le dis vraiment librement. Et en plus, c'est très, très calme, dès qu'on franchit, on oublie très vite, grâce à la palissade de verre, le brouhaha de la ville. Un endroit vraiment très merveilleux à toute saison, et encore la semaine dernière avec la neige, c'était vraiment fabuleux. Donc on se dit que c'est pas normal qu'on n'attire pas plus de gens, et que parmi les prospectives sur lesquelles vous m'interrogiez, figure un certain nombre de réflexions, et j'espère qui seront conclusives autour de la venue de public étranger. Je pense que c'est la principale priorité du musée pour les années qui viennent. Merci. Une question de Monsieur Elie. Oui, juste une question sur la politique de public, la médiation, les conférences. Est-ce que c'est des postes qui rentrent dans le périmètre du contrat multiservice, ou est-ce que vous les concevez plutôt comme les... Est-ce que vous avez cité les agents de magasinage ou la billetterie, je crois. C'est-à-dire que l'accueil classique du musée, les agents d'accueil qui sont donc en poste au musée, ce sont des agents du contrat multiservice, qui sont donc la population non couverte par ces conventions collectives de reprise sur lesquelles on est assez vigilant lors des changements de prestataires. En revanche, toutes les opérations de médiation, j'allais dire extérieurs, hors les murs notamment, puis toutes les opérations, les ateliers qui sont conçus par le musée, les offres particulières de démocratisation culturelle sont faites par des agents du musée. Et alors là, c'est un point aussi sur lequel votre question permet d'attirer votre attention, c'est qu'on fait beaucoup d'actions hors les murs. On a développé un modèle qui s'appelle les ateliers nomades,
pour lesquels on a voulu privilégier, à contrario de d'autres établissements, mais une fois de plus, je ne veux pas les critiquer, je veux juste vous exposer, vous dire que c'est la différence d'autres établissements sans porter de jugement de valeur, mais on a voulu privilégier le contenu sur le contenant, c'est-à-dire faire en sorte de s'appuyer sur les locaux, sur les facilités que les municipalités pouvaient mettre à notre disposition. Ça peut être évidemment les mairies, les salles des fêtes, les bibliothèques, les hôpitaux, les centres commerciaux, pour ne pas avoir à avoir d'investissement à faire dans un camion, dans une structure mobile, etc. etc. et mettre vraiment tous nos efforts sur le contenu, c'est-à-dire faire en sorte que ça soit des vraies présentations, de vraies œuvres, si je puis dire. J'en parle devant André qui connaît très bien le sujet, des présentations de vraies œuvres par des vrais conservateurs, des vrais scientifiques du musée, et pas sous-traiter ça, pas faire une sorte de musée au rabais. Enfin, je ne dis pas que les médiateurs qui ne sont pas du musée seraient forcément au rabais, évidemment, mais en tout cas pas des gens qui ne connaîtraient du musée que cette mission qu'on leur a reconfiée de manière très ponctuelle, mais vraiment des agents du musée qui font ça au long cours et qui sont un peu des spécialistes du sujet, qui arrivent à intéresser tout un tas de catégories de personnes, des conservateurs qui sont évidemment à la fois capables de tenir des propos tout à fait savants lors de colloques scientifiques et aussi de présenter des œuvres à un public qui ne connaît rien. Et on met en parallèle de ces actions-là des systèmes de bus, on paye des bus pour que les gens qui souhaitent poursuivre leur connaissance du musée une fois que la première barrière est franchie puissent le faire dans les bonnes conditions, on les invite et ça marche assez bien. Donc, on a eu un prix là récemment, le ministère de la Culture nous a donné un prix qui s'appelle Oser le musée. On n'était pas les seuls, je crois qu'il y a 3 ou 4 établissements dont le Louvre lance, me semble-t-il, pour récompenser. On en est vraiment évidemment très fiers. C'est un encouragement à aller encore plus loin dans cette noble politique de démocratisation culturelle. Merci Monsieur Bastianelli, est-ce que vous restez avec nous? Non, malheureusement, je dois... Je vous laisse vous éclipser alors dans ce cas-là. Merci encore pour votre invitation et bonne suite de séminaire.